coucou tout le monde. On se retrouve au volant de ma voiture aujourd'hui. Ça faisait longtemps, hein. Je sens que ça va sauter encore, hein. Alors, il fait un temps magnifique, magnifique, magnifique. Et là, je vais chez Noroto pour amener faire la vidange à mon automobile et également faire remettre ma roue normale parce que c'est la semaine dernière, j'ai crevé. oui, j'ai crevé. Enfin, heureusement, c'était en bas de chez moi, donc j'ai appelé le dépanneur. Hein, ils sont venus, ils m'ont changé ma roue. T'as qu'à passer, toi. Hein, t'as un stop. Hein. Oh là 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 là. Donc, le mec m'a changé ma roue. Et là, ben, je vais faire réparer, s'ils peuvent, ouais, hop, s'ils peuvent réparer la roue qui est crevée et puis la remettre. Voilà. Si c'est pas réparable, eh ben, écoutez, je prendrai une autre. J'achèterai une autre roue, quoi. Voilà. Donc là, je suis partie. Et vu que j'en ai pour 1h30, non, mais j'ai le soleil dans la tronche, mon vieux. Bon, je peux passer là, ouais. Vu que j'en ai au moins pour 1h30, c'est super parce que le Noroto où je vais est. Ben là, les deux, là. Ben, mettez-vous. Mais, ben oui, oui. Hein, ils sont de front, les cons en vélo. Hein. Et après, on va les renverser. Hein. Oh là 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 là, que c'est chiant ça. Hein. Il fait très chaud. Hein. Donc, oui, je disais quoi, voilà, ils m'ont embrouillé le cerveau, ceux-là. Hein. Je disais que, oui, c'est génial parce que le Noroto où je vais est sur le parking de Cora. Donc, vu que j'en ai pour 1h30, je sens que ça va sauter, là, cette rue, là, c'est pire qu'une rue pavée. Hein. Putain. Ah, ils dépensent des ronds dans cette ville. Mais pour faire des rues comme ça, où il y a quand même du passage, hein, ils ne les refont pas. Hein. Pas possible, hein, ça. Non, ça. Il y a des bosses partout, là. Tchac, allez, hop, là. Voilà, bon. Il y a même ceux qui me regardent, ils vont dire, elle est folle, celle-là, elle part toute seule dans sa bagnole. Alors, je continue. Parce que je me disperse, là. Puis je regarde quand même la route, hein. Donc, ça tombe bien, il y a un feu. Et oui, je disais que le Noroto était sur le parking de Cora. Donc, c'est génial. Et juste en face, on a toute la ZAC d'Action, de Chaussea, la Halle. On a Kiabi. Alors, je sais pas ce que je ferai. Parce que vu que j'en ai pour 1h30, mais c'est tout à côté, quoi. C'est génial. Et ce qui est con, c'est qu'avant, parce qu'il y a deux Noroto à Vichy. Et avant, j'allais dans un Noroto qui est pas loin de chez moi, mais en fin de compte, il n'y a rien autour, quoi. Ou alors, faut marcher. J'ai pas envie de marcher. Et donc, eh ben, j'attendais au moins une heure et demie, quand j'avais des trucs à faire. Je restais sur place, hein. Putain, je me faisais chier, hein. Toi, t'attends, c'est moi qui passe. Ah! Et je me faisais chier à attendre. Et c'est ma voisine, l'autre jour, qui me disait que sa fille amenait son véhicule au Noroto de Cora. En plus, je le connais, ce Noroto, mais vous savez, des fois, on a des habitudes comme ça et on change pas. Enfin, bref. Donc, et elle me disait que quand elle allait avec sa fille, elles en profitaient pour faire les magasins, lui rester comme des cons à attendre dans le Noroto, quoi. Yeah. Là, il y a un gros dodane. Frotte, schlock. Voilà. Donc, je suis bien contente. Je vais laisser ma voiture. J'ai rendez-vous à 14h. Il est moins 5. J'ai un chewing-gum dans la bouche. C'est énervant, hein. Oh, pas pour moi, mais pour ceux qui regardent, il n'y a pas plus chiant que de regarder quelqu'un qui mange un chewing-gum, qui marche comme ça, derrière. Alors là, je suis dans mon petit quartier d'avant. Ouais. J'ai habité partout, moi, dans cette ville, faut savoir. Hein. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vais voir si je trouve des trucs. Hein. Moi, je m'en fous. Si je trouve des trucs. Intéressant, bah j'achèterai. Je vais pas me charger non plus, hein, parce qu'après il faut que je les ramène à ma voiture. Mais il faut que je m'achète des petites bricoles. Donc j'ai peut-être aller. Je sais pas où je vais aller en fait. Je sais pas si je vais aller à Cora ou chez Action ou Chaussea ou La Halle ou Kiabi. Je suis allée chez Kiabi l'autre jour. Hein. J'ai rien trouvé. Franchement. Non, j'ai rien vu de bien, mais ils ont tout refait le magasin, alors c'est sûr qu'il est hyper clean. Et un gros camion, là. Il y a une roue, mon vieux, mais elle est énorme. Bien, alors, je disais que ils ont refait le magasin, hein, il est super bien fait, bien rangé et tout. Enfin bon, moi, ça me... Je sais pas, je trouve jamais rien hein, chez Kiabi. Avant, je trouvais des fringues sympas, hein. Je trouve plus rien chez Kiabi.
Bon, je vais. Ça faisait 3 heures que j'ai le clignotant à gauche. Et là, je le mets à droite maintenant. J'ai enlevé. Voilà. Et on voit le gros camion derrière. Il est où? Mais c'est pas un camion, c'est un tracteur en fait. Hein. Oh, bah, mon vieux. Hein. Bon, là, j'attends parce que dans ma passé, toi, avec ta petite merde là. Voilà. Donc, écoutez, je vais quand même faire gaffe hein, à ce que je fais. Et puis, je vous reprends tout à l'heure. Hein. Je vous reprendrai après, en rentrant, peut-être. Hein. On verra. Je sais pas encore. Hein. Si j'ai trouvé des trucs sympas, voilà, je vous ferai voir tout ça. Bon, ben, allez, je coupe tout. J'arrive chez Naruto, j'ai le soleil dans la poire, mon vieux. C'est génial, 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 ce temps. C'est trop, 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 trop bien. Allez, je vous laisse. Je suis à Cora. J'adore ces bottes, quoi. Elles sont trop, trop géniales. Hein. J'adore ça. Alors, ça, c'est vraiment mon style de bottes. Elles sont trop, trop chouettes, quoi. Et là, il y a des bottines que j'adore aussi. Elles sont trop géniales. Ah ouais. Elles sont super. Elles coûtent 46 euros. Elles sont pas très chères. Et les bottes, elles font 49,80 €. 49 €. Ça, par contre, j'aime moins. Là, je vais faire un tour. Oh, je déteste ça, mais ça. Je vais faire un tour dans les fringues. Ça, j'adore. 29 €, elles sont pas chères. Hein. Super sympa, ça. Non, les baskets, c'est bon. Hein. Ça, c'est trop, trop joli, quoi. Oh, j'adore. Elle est vachement sympa, cette veste. Ah ouais. Oh, c'est trop, trop mignon, ça, j'adore. Oh, elle fait 65 € quand même. Ouais. Très joli. J'adore. Voilà, j'adore. Petit menton fausse fourrure. Il est magnifique, quoi. Petit trois quarts. J'adore comme il fait. Bon, il est même pas très cher. 49,90 €, franchement. Ah ah ah. Et ben voilà, j'arrive avec mes courses. Ouais, mes courses Lidl. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et regardez dans ma tenue. Voilà, j'ai mis mes docks avec un legging gris. J'ai mis ma tunique que je vous ai montrée quand j'ai rangé ma penderie avec le gilet que je tiens par une broche comme ceci, que j'ai depuis hyper longtemps. Voilà, et voilà mesdames, et voilà messieurs, voilà comment Miss Gazelle est habillée et on va commencer par Lidl. De toute façon, il n'y a que Lidl. On va commencer par les citrons, comme d'hab. Deux filets de citron, ils sont à 1,39 € je crois. Ouais, 1,39 €. Voilà, donc ça c'est fait. J'ai pris un sachet de pommes de terre comme ça. Ils n'en ont pas tout le temps. Hein. C'est micro-ondable en quelques minutes. Le sachet micro-ondes offre des pommes de terre à la chair ferme et savoureuse. 10 minutes au micro-ondes. Voilà, vous voyez, c'est ça. C'est pratique, ça va vite. Je les ai payés 1,29 €. On en a 750 grammes. Voilà, alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris deux sachets comme ça de salade iceberg. Non, parce que là, cette fois, c'est sérieux, j'attaque. Hein. Non, j'attaque, faut que je perde du poids, je peux plus. Donc j'ai pris deux sachets de salade comme ça, de laitue iceberg comme ça, que j'ai payé 99 centimes. Hein. Voilà, vous allez voir ce que je vais manger, vous allez voir. Alors ensuite, j'ai pris des bâtonnets de surimi, voilà. Comme ça, comme d'hab, hein, que j'ai payé 1,99 €. Alors, je pose tout là derrière, je vais en faire une, je le sens. Alors, pour 1,39 €, j'ai repris des yaourts à la grecque comme ça. Donc, j'en ai pris 4 paquets de 4. J'ai pas acheté de fromage, j'arrête le fromage. Voilà, je mange plus de fromage. Parce que alors, quand j'ai du fromage, je vous bouffe un fromage. En 2 jours, quoi, et ça, c'est bon. Alors, effectivement, ça, c'est au lait entier, mais vu que je mange pas de fromage, je peux m'octroyer ce genre de truc. Hein. On peut pas non plus tout arrêter. Pour 2,05 €, j'ai repris ma chicorée café, toujours la même, hein, comme ça, voilà.
Mais ça dure vachement longtemps, hein. Je peux vous dire que le matin, je bois un énorme bol. Alors, voilà, je prends un énorme bol de chicorée, comme ça, avec des sucrètes, et deux petits grillés avec de la confiture normale. Je ne mets pas de beurre ni rien, hein. Donc le matin, c'est ça. Et puis après, dans la journée, ben, je vais boire deux ou trois mugs, hein. Pour 1,19€, j'ai pris des œufs, donc toujours pareil, hein, des œufs de poule élevés en plein air, pour faire en omelette. Parce que les omelettes, c'est des protéines et ça fait pas grossir non plus, hein, voilà. Donc ça, et je la mange nature, bien évidemment, hein. Ah, mais tout derrière, là, ouais. J'ai pris deux veloutés de poireaux et pommes de terre, comme ça. Je voulais démouliner, il n'y avait plus. Oh là là. Et alors, le ticket est tombé par terre, le ticket est tombé par terre, je reviens. 85 centimes. Alors, je vais vous dire un truc. À midi, d'ailleurs j'ai fait pareil hier, à midi j'ai mangé un énorme bol de soupe moulinée, j'ai mangé, il me restait de la cuisse de dinde, et j'ai mangé avec ça une compote, voilà. Et vu que je suis sortie cet après-midi, j'ai pas grignoté, j'ai pas mangé de saloperie, voilà. Donc je vais manger pas mal de soupe. C'est des légumes, hein, donc on fait ce qu'on veut, hein. Alors après, ben, vu qu'il n'y avait pas de moulinet, que j'adore les soupes moulinées, j'ai pris celle-là. C'est des soupes moulinées bio, je m'en fous, vous le savez, hein, du bio. On a 10 légumes, c'est toc du chef, voilà. Et j'ai payé ça 1,75€, hein. Les moulinets de leur marque, je les paye, je sais pas, c'est même pas 1€, je crois. J'en sais rien, je m'en rappelle pas. Alors j'ai pris également une eau pétillante comme ça, voilà. J'ai pas pris de cola, hein. J'ai pas pris de coca, rien, j'arrête tout. Parce que même si c'est sans sucre, vous avez ce goût de sucre. Et plus vous avez le goût de sucre, et plus vous avez envie de manger sucré. Donc là, j'ai dit stop, j'arrête. Franchement, et là je vais m'y tenir parce que j'en peux plus, j'en ai marre, hein. Donc 0,42€ la bouteille, hein, c'est une bouteille de 1,5 L. Je vais la mettre derrière, voilà. Pour 1,09€, j'ai pris ce déodorant. Bah, c'est nouveau, hein, je ne l'avais jamais vu, avec le bouchon noir comme ça. C'est le Hot Pink, 24 heures. D'habitude, je prends 48 heures, mais là, je voulais le tester. J'ai pris des steaks hachés, le charolais, façon bouchère. Voilà, c'est ceux-là. Moi, je prends ça. Donc, j'en ai pris deux paquets, comme ça. Voilà. Et vous voyez, c'est haché hyper gros. J'adore ces steaks comme ça. Alors moi, c'est presque cru, hein, je vous le dis. J'ai horreur de la viande cuite. J'adore la viande bleue. À 2,94€. Voilà. Bon, il n'y a rien à dire, hein. Franchement. Après, j'ai repris mes steaks comme ça. Voilà. Je vais manger un peu de viande rouge. Ce sont donc le charolais, toujours tendre et savoureuse. Moi, je l'achète. Elle est vachement bonne, hein. Je les trouve super bons, ces petits steaks. Viande bovine française. C'est une barquette de 240 grammes. Je vous les montre, hein. Voilà, si des fois vous voulez les acheter. Moi, perso, j'aime bien, hein. Et j'ai payé ça 4,29€, hein. Donc, ça fait pas cher le steak, hein. Alors, ensuite, j'ai pris des cuisses de poulet, voilà, parce que ça, j'en fais une consommation. Et ça, vous pouvez en manger, ça ne va pas grossir. Moi, je les fais au four, je mets absolument pas de matière grasse, parce qu'il faut savoir que dans la peau, vous en avez. Je mets des oignons, je mets pas mal d'oignons, de l'ail, des herbes de Provence. Et c'est super bon, et vous mangez ça avec ce que vous voulez, hein, avec des légumes, voilà. Donc, c'est des grosses barquettes, quand même, d'1,1 kg. Que j'ai payé 3,85€, hein, et c'est les cuisses tout entières là, j'aime bien. Voilà, donc il y a de quoi bouffer là, hein. Alors j'ai pris également, il n'en restait que deux, c'est en promo. J'ai pris deux gratins d'endives au jambon chez les fers, hein. Alors, chez les fers, il n'y a pas plus facile que ça. Mais bon, j'ai vu ça, c'était de la promo. Je me suis dit, allez, je vais les prendre. Au départ, ils étaient à 2,49€, ils sont passés à 1,72, 1,74, j'en vois rien, c'est effacé. Donc là, ça vaut le coup. On a deux endives à l'intérieur. Et ça se fait au micro-ondes. Alors ça, c'est vraiment génial, hein. Il y avait 30% de réduc dessus. Voilà, de 49. J'ai fait une économie, en fin de compte, d'1,50€. Voilà, sur les deux. Ben, c'est toujours ça de gagner. Donc, et ben voilà pour mes courses, hein. J'ai pas pris grand-chose parce que j'ai encore des réserves, hein. Et j'en ai eu pour un montant de 41,05€. Voilà. Et je souhaite la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées, tous mes nouveaux abonnés. Comme d'habitude, vous êtes au top. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Vous êtes des amours. Miss Gazelle, sans vous, ben, elle serait rien. Elle serait pas là. Voilà. Donc, sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao, ciao.